De l'agrément qu'il procure au cours de la chaude saison, le sport de la natation favorise le développement de l'ensemble du système musculaire et en particulier l'extension de la poitrine. Paté Journal a pu obtenir quelques aperçus sur les nages actuellement en usage grâce à l'aimable collaboration du champion français Nakash. L'élève doit prendre tout de suite l'habitude de mettre la tête dans l'eau pour vaincre définitivement sa naturelle appréhension. Il n'aimait pas la natation. Je dois vous dire que tout jeune, il détestait l'eau. Puis ensuite, grâce à deux militaires qui avaient participé au championnat de France de natation et qui ont fait leur service militaire à Constantine, il a réussi à aimer la natation. Et puis d'emblée, il a été magnifique. Il avait des qualités fantastiques en ce qui concerne la natation. Et à partir de là, il a brillé. Et tout de suite, dès 1931, il a été champion d'Afrique du Nord. Deux ans plus tard, Alfred Nakash, jeune homme bronzé aux cheveux crépus qui masque parfois le sourire de ses yeux, quitte l'Algérie. Il a toutes les raisons d'être heureux, Alfred. Il vient d'être délégué par son club de Constantine pour participer au championnat de France qui se déroule à la piscine des Tourelles. Il découvre Paris et Paris le découvre. Le jeune inconnu qu'un speaker maladroit prénomme Artem se qualifie pour la finale et s'offre même le culot de talonner son idole, Jean Taris, le champion couvert de médailles qui demeure aujourd'hui encore le nageur le plus titré de la natation française. Alors qu'importe la traversée de la Méditerranée sur le pont du paquebot et le trajet Marseille-Paris en troisième classe. À l'époque, les nageurs, même champions, quelquefois payaient leur entrée à la piscine, si vous voyez ce que je veux dire. En Europe, il a été un des premiers à vraiment lancer la brasse papillon. C'est pas lui qui a créé ce mouvement. C'est un Allemand qui s'appelait Rademacher. Il a été un des premiers à tenter de faire ça sur l'ensemble, la longueur de la course. Et donc, il a en quelque sorte participé à l'élaboration d'une nouvelle nage qui s'appelait la nage papillon. Si Nakash affectionne tant la brasse papillon, c'est qu'elle est rapide et que la largeur de ses épaules, sa puissance musculaire et sa volonté de vaincre lui permettent d'y exceller. Car cette nage est dure, violente, implacable succession de bonds hors de l'eau qui exige de tout donner tout du long jusqu'au podium. Et ce n'est pas Manu Puig, un de ses amis des premiers jours, joueur de waterpolo au TOEC de Toulouse, qui dira le contraire. Comme nageur, comme athlète, il était impressionnant quand même. Il nageait en force, mais il avait de l'allure. En général, les nageurs sont souples, sont jolis, ceci, ils sont faits. Tandis que lui, on sentait que c'était le costaud. À ce moment-là, le record de brasse en brasse, il faisait, dans un petit bassin de 25, les 25 mètres premiers sous l'eau. Puis après, il sortait de l'eau, il nageait en papillon. Ça fait 50. Du 50 à 100, il le faisait en brasse orthodoxe. Et les derniers 25 mètres, il reprenait en papillon. Alors, vous voyez, c'était quand même astucieux. En 1936, Nakash est déjà champion de France du 100 mètres nage libre depuis un an, car Jean Taris n'avait pas concouru. Jacques Cartonnet, l'autre très grand champion français, lui lance alors un défi sur 100 et 200 mètres brasse. Mais Alfred a trop envie de gagner pour être vaincu. Et en deux séances, sous les caméras des actualités, il efface Cartonnet des tablettes de la fédération. Certains prétendent que celui-ci en gardera rancune. Mais pour l'heure, Alfred est tout à sa joie et envisage déjà gaiement de relever d'autres défis. J'ai gagné la première manche du match contre Cartonnet en brasse. En m'entraînant plus sérieusement en papillon, M. Armand, mon entraîneur, affirme que je pourrais battre des records, et même des records du monde. Mais ça, c'est une autre affaire. C'était un type qui s'entraînait beaucoup pour l'époque. Il s'entraînait très bien. Et il était très à l'aise dans toutes les nages.
C'était un bon crawler, il avait fait jeu égal sur 100 mètres avec Jean Taris, qui était une référence. Mais faire jeu égal ne suffit pas à Alfred. Et il fallait bien qu'il finisse par battre Taris, car ainsi vont les choses du sport. Ce fut chose faite le 14 juillet 36, en 1 minute 02, sous les couleurs du Racing Club de France. C'était un nageur exceptionnel et un athlète exceptionnel. Un grand gabarit pour l'époque, 85 kg de muscles, troisième ligne de rugby. Je suis très content que M. Nakache soit passé au Racing Club de France lorsqu'il est venu à Paris. Il a signé une licence en 1936. Et il a apporté au Racing Club de France son premier titre de champion de France. Alfred, sous les couleurs du Racing, a été champion de France en libre, en 36 et en 37. 1936, Jeux Olympiques, Berlin. Aux côtés de Taris et de deux autres nageurs, Nakache termine quatrième au relais 4 x 200 mètres. Certes, ce n'est pas le podium, mais ils éliminent ainsi l'équipe allemande à domicile, sous les yeux de sinistres spectateurs. 1937, 38, 39, 40, 41. Ça n'arrête pas, Nakache est sur tous les fronts, dans tous les bassins, et fait les titres de tous les journaux. Il a terminé ses études à Janson-de-Sailly et est sorti major de l'École normale supérieure d'éducation physique et sportive, en même temps que Paul Delbaz, également originaire de Constantine, et qui devient sa femme. En 1939, il est mobilisé dans l'aviation et après l'armistice, devient professeur d'éducation physique à Janson-de-Sailly. Bien sûr qu'il est insatiable, Nakache. Et ce titre mondial dont il rêvait déjà 5 ans plus tôt, il se décide enfin à l'affronter à Marseille, désormais en zone libre, le 7 juillet 1941, lors de championnats universitaires. Il est fin prêt. Quelques mois plus tôt, il a déjà battu le record d'Europe du 100 mètres brasse de l'Allemand Balke, tout en pulvérisant le record de France que détenait Cartonnet. Sous les acclamations d'un public enthousiaste, il effectue 4 allers-retours de rêve, à la force des épaules et de la volonté sans fatigue apparente, 4 allers-retours qui vont tout changer, qui vont même rendre, pendant quelques instants, le moral à une France coupée en deux et minée par une défaite humiliante. 2 minutes 36 secondes et 8 dixièmes plus tard, c'est chose faite. Alfred Nakache est champion du monde du 200 mètres brasse. Le sourire est toujours éclatant. Il sait bien qu'il vient d'entrer dans l'histoire. Quand il a battu le record du monde, au moment où nous étions occupés en France, c'était un bras d'honneur qu'il lançait aux Allemands. Et il faisait d'une France humiliée une France qui semblait se redresser un peu. Car l'histoire, la grande, la vraie, ne s'arrête pas aux portes des piscines. Et les décrets anti-juifs, promulgués par l'État français en juin 1941, ferment à Alfred Nakache celle du lycée Janson. Les juifs sont exclus de la fonction publique. Alfred et sa femme doivent quitter Paris et la zone occupée. On l'a mis à la porte du lycée. Janson de Sailly, on l'a mis à la porte, lui et sa femme. Alors il était ennuyé et il a dit, et pourtant il était sollicité de partout. Mais il est venu à Toulouse. Et à Toulouse, les dirigeants du TOEC ont acheté un gymnase qu'il y avait et il l'a pris. Et il a pu travailler à Toulouse. Et il est rentré au TOEC. Sa femme était capitaine de l'équipe féminine de natation. Elle nageait, c'est une nageuse, elle nageait, elle était capitaine de l'équipe féminine. C'est donc désormais sous les couleurs du TOEC et entraîné par Alban Mainville qu'Alfred continue d'engranger des victoires. Depuis le 12 août 41, il est le père de la petite Annie et ce bonheur familial tout neuf semble lui donner des ailes. Au championnat de France de 42 qui se tiennent à Lyon, il remporte 6 des 8 médailles d'or qui sont mises en jeu. La performance est exceptionnelle, mais la rage qu'il habite d'avoir été humilié, licencié, exclu du métier d'enseignant qu'il aime tant n'y est sans doute pas étrangère. De plus, la chaleur et l'amitié qui l'entourent à Toulouse ne peuvent pas étouffer les sales clameurs qui montent, bien loin des bassins, mais qui s'en rapprochent. Dans ces années poisseuses, même si la performance est historique, le sourire du vainqueur ne peut plus être aussi éclatant. En 1941, les gens ont commencé à dire « Mais qu'est-ce que c'est ce juif? Qu'est-ce qu'il vient faire ?» Les journalistes sont vraiment salement compromis dans cette histoire. Et en 1943, alors les championnats devaient se tenir à Paris. Et comme le juif Nakache ne pouvait pas passer la ligne démarcation, la Fédération française de natation, avec beaucoup d'élégance, dirigée par un grand dirigeant qui s'appelait Drigny, a dit ben, « Les championnats ont lieu à Toulouse, comme ça il n'aura pas à passer la ligne démarcation pour Nakache. » Mais là, les autorités allemandes ont dit « À Toulouse, Nakache ne nagera pas. »
Là, le président de la fédération, qui avait pris des risques, s'est arrêté. Parce que bon, mais en revanche, il y avait des jeunes. Il y avait d'abord les dirigeants de Toulouse. Et les dirigeants de Toulouse ont dit, bon, si Nakache ne nage pas, nous, on nage pas. C'est notre camarade de club, nous nageons pas. Et il y a eu, au plan individuel, plusieurs autres nageurs qui ont décidé de ne pas nager. Et parmi eux, Lucien Zins, qui était à l'époque recordman d'Europe du 400 mètres. Ces gens-là restent au bord de l'eau et puis les titres vont aux gens qui nagent. Il y avait Roger Morvan, enfin je ne sais plus, des gens d'ailleurs tout à fait honorables, je veux dire, qui n'ont rien fait de mal, mais qui ont nagé. Ils n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose à défendre derrière cette histoire-là. Le président, il a dit, eh bien, vous empêchez Nakache de nager, nous nageons pas. Et nous étions le meilleur club de France. Nous avions fait les championnats des Pyrénées 15 jours avant, et nos performances étaient supérieures à toutes les performances qui ont lieu, sauf nous, à ce critérium de France. Je sais qu'on a beaucoup discuté entre nous à l'époque à Toulouse de savoir si on allait nager ou pas nager. En particulier ceux qui étaient avec lui à Toulouse. Ils disaient, oh non, c'est scandaleux, on ne peut pas laisser notre camarade et nager. Ça se comprenait très bien. Il y a ceux qui étaient aussi de bons camarades, mais qui pensaient que c'était pas la peine d'attirer plus que ça l'attention sur lui et de forcer la main dans le sens, parce que c'est, finalement c'est lui qui en aurait pâti, c'est pas ceux qui ne nageaient pas. Donc. Mais à partir de la fin 43, on commençait à ramasser tous les Juifs, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur réputation. Et dès la fin de 43, il a commencé à être ennuyé et ils ont tenté de passer en Espagne avec son épouse et la petite. Mais à partir du moment où la petite, très jeune, s'est mise à pleurer, ils ont eu peur. Et ils ont eu peur, bien entendu, de provoquer une arrestation de tous ces gens, puisque c'était tout un groupe qui partait vers l'Espagne. Ils sont revenus vers Toulouse en disant « advienne que pourra ». Il s'appelait Nakache. Il n'avait pas caché son nom. Il s'appelait Nakache, et Nakache est un nom juif. Et lui, il s'est présenté lui-même à ses bourreaux en battant le record du monde de natation et en faisant vibrer tous les Français, qui étaient heureux de voir enfin une victoire d'un Français. Recordman du monde, c'était quelque chose, croyez-le-moi. En 1938, Alfred avait fait la quatrième de couverture de match avec son regard souriant et la langue insolemment tirée aux sirènes de la gloire. En 1943, peut-être par la grâce d'un maquettiste revanchard, la même photo occupe la même place, mais cette fois-ci au dos d'un pamphlet haineux et abject, le grand magazine illustré de La Race. Alfred y devient le juif Nakache. On lui reproche d'avoir arboré l'emblème national. L'auteur, apparemment un peu honteux, reconnaît n'avoir vu en 1939 en Nakache qu'un athlète de qualité et un équipier consciencieux. Sans doute ignorait-il alors qu'il était juif, mais il est bien décidé à se rattraper maintenant. Dans un style approximatif, il patauge quelque peu en déplorant comme un scandale que Nakache, juif constantinois, ait nagé pour la France et contre l'Algérie, son pays d'origine, et pour une nation qui n'est pas la sienne et dont le chef, avec un C majuscule, a décidé d'exclure les juifs. Il s'indigne donc qu'en 1942, le juif Nakache ait fait l'aumône d'un record du monde à la France, un cadeau que personne n'aurait dû accepter. C'était en 41, mais ce n'est pas là le plus grave. Il ordonne maintenant. Il ne faut pas que cela puisse se reproduire. Il faut en finir. Il importe, pour commencer, d'épurer le sport français de ses juifs. Et ça continue. De partout, la haine monte comme un égout enfin autorisé à s'épandre, à la mesure de l'ancienne gloire de la victime. Nakache est-il juif? Le record du monde et tous les records de France leur sont vraiment restés en travers de la gorge à tous ces serviteurs empressés de l'ordre nazi qui règne sur l'Europe. Et ils exigent une réponse qu'ils connaissent déjà et dont Alfred n'a jamais fait mystère. Et ils menacent. Retirez-vous du sport français ou alors vous pourriez bien sentir les répercussions. La machine folle est lancée. Les courageux scribouillards n'ont plus qu'à attendre. Le secrétaire de M. Ders, qui travaillait chez M. Ders, était au gymnase quand on l'a arrêté.
Et lui, il est parti vite en vélo prévenir le président et il est venu chez nous nous le dire. Mais nous, on ne l'a pas vu à Nakache. Et alors, ils sont allés à la Gestapo chez lui. Alors là, paraît-il, ça je ne sais pas, hein, ils auraient pris pas mal de choses qu'il avait, des trophées, des médailles, tout ça. Et ils avaient embarqué, ils l'avaient embarqué à lui, sa femme et la petite. On n'habitait pas très loin de la prison, non. Et alors on avait essayé d'aller au bistrot où vont les employés, vous savez, de là, pour essayer. Mais ils nous ont dit, il y a la Gestapo qui est là. Nous n'avons aucun contact avec les prisonniers, surtout israélites. Ceux qui sont arrêtés, nous n'avons pas de contact. Il n'y avait rien à faire. On avait même essayé de lui porter un colis, ça avait été refusé et tout. Arrêté séparément le 20 novembre 1943, Alfred et Paul passent quelques jours au siège toulousain de la Gestapo avant d'être enfermés à la prison Saint-Michel. Aussitôt, des rumeurs de dénonciation courent la ville. On laisse entendre que des nageurs battus par Alfred pourraient avoir voulu s'en débarrasser ainsi. Le nom de Cartonnet est mentionné. Il faut dire que celui-ci a jugé bon de rejoindre la milice et de parader dans son grand uniforme noir. Pendant ce temps, la petite Annie, tout d'abord confiée à la maison Sainte-Lucie, une institution maternelle, est finalement remise à la famille Puig. Un mois plus tard, Simone Follon, qui s'était occupée d'Annie à la maison Sainte-Lucie, apprend que les Nakache vont faire partie d'un convoi en route pour Drancy. Elle se précipite à la gare de Portet-sur-Garonne pour rendre à la petite fille son chien en pluche qu'elle lui avait gardé. Mais un officiel m'en le lui interdit. Les Allemands, d'abord, quand ils l'ont prise, n'ont pas voulu prendre ses jouets. Et moi, comme je l'endormais avec Bambi, j'ai caché ce chien dans un placard que nous avions au premier étage. Et je me le suis emporté chez moi. Je l'ai raccommodé et je l'ai toujours gardé. Je ne l'ai jamais donné à mes enfants. Et je me souviens de l'homme, du nom de l'Allemand qui était une pourriture, qui s'appelait le capitaine Krasker. J'ai 85 ans, monsieur. Le 26 décembre 1943, lendemain de Noël, le nombre de détenus est suffisant pour justifier un convoi. Alfred, Paul et Annie, avec d'autres, sont emmenés de Toulouse vers le camp de Drancy. Ils y restent un mois, le dernier qu'ils passeront ensemble. Le 20 janvier 1944, ils font partie du convoi 66, entassés dans des wagons plombés qui vont traverser pendant 3 jours une bonne partie de l'Europe, jusqu'à la Pologne. On a du mal à imaginer ce que purent être les premières minutes qu'ils passèrent à Auschwitz-Birkenau le 23 janvier à partir de 16h49, heure de l'arrivée du train dans la nuit d'hiver qui tombe. Aujourd'hui, l'herbe est verte et un calme glacé y règne. Il faut donc faire un effort, entendre l'essoufflement des locomotives, les grincements des portières, les aboiements des chiens, les hurlements des soldats, les cris des enfants, les pleurs des femmes et des vieillards qui en ont encore la force. Au seuil de l'enfer, on les fait se former en colonnes bien rangées, alignées, comme tout ici. Comme les baraques qu'on devine derrière les barbelés, comme cette voie ferrée rectiligne qui coupe le camp en deux. Ils ne le savent pas encore, mais tout près, à quelques centaines de mètres, les 4 chambres à gaz de Birkenau attendent leur ration quotidienne. Pour l'heure, les SS sur la rampe s'occupent de la leur trier. C'est la sélection. Alfred Nakache, bien des années plus tard, une de ces nuits où les souvenirs lui remontaient dans la gorge, racontera ces instants à son ami Louis Séverin qui nous les rapporte.
Il m'a dit, quand nous sommes arrivés à la rampe de Auschwitz-Birkenau, nous étions les uns derrière les autres, Paul tenant son enfant dans les bras, notre enfant Annie, qui avait 3 ans, dans ses bras, elle était devant moi, et nous arrivions devant un officier SS. Je ne sais pas s'il était officier. Et ce gars-là faisait rechts et les personnes allaient à droite, links et les personnes allaient à gauche du gars. Rechts, links. Quand Paul arrive, rechts, et je vois partir ma femme et mon enfant vers un camion. Et à moi, quand j'arrive, le gars me dit « Ha! D'où bist Nakash ?»« Ja. Du gehst. Ich bin ein Schwimmer. Je suis un nageur. Du gehst am Lazarett. Et tu vas à l'infirmerie, comme infirmier. » Et il dit, l'image de ma femme montant avec des vieillards sur un camion, c'est la dernière image que j'ai de ma femme et de ma fille. Il a dû les voir s'éloigner, rapidement absorbés par le brouillard et l'obscurité. Elles ne sont pas seules, ô combien. Sur les 1368 personnes, hommes, femmes et enfants que comptait le convoi 66, 1077 furent exterminés dès leur arrivée. Alfred fait partie des 291 rescapés du premier jour. Mais on n'est pas à Auschwitz pour survivre. On estime 1 400 000 personnes débarquèrent un jour sur la rampe entre 1941 et 44. 1 100 000 y sont mortes. Quand on parle aujourd'hui du complexe d'Auschwitz, on n'évoque pas un trouble psychiatrique. Il s'agit d'un complexe au sens industriel du terme, avec ses 40 unités, comme un complexe pétrochimique ou sidérurgique dont le but n'était pas de produire, mais de détruire. L'organisation y était la même, rigoureuse, réfléchie, planifiée, méthodique. Une usine à assassiner, un abattoir humain. En 44, Noah Klieger a 16 ans. Comme Nakash, il est détenu à Auschwitz, 3, Buna, Monowitz. Je l'ai rencontré parce que il ne parlait que le français. Et au camp, rares étaient ceux qui parlaient le français parce que les 95% des détenus parlaient évidemment ou le polonais ou le yiddish ou les deux. Un homme comme Nakash ne pouvait contacter au fond que des détenus qui parlaient français. Et j'étais déjà moi au camp avant qu'ils viennent. Je connaissais donc les Français ou les francophones plutôt, me connaissaient déjà. Nous avons pris contact. J'ai connu le nom. J'étais toujours, comme gosse, j'étais mordu de sport. Je faisais de la natation moi-même. Évidemment, pas à l'échelle où la faisait Nakash. Mais quand même, et je connaissais le nom, je savais exactement qui était Nakash, et je l'ai rencontré, il était encore en très grande forme. Et là, évidemment, comme on parlait la même langue, nous sommes immédiatement, comment dirais-je, entendus. Enfin, on ne peut pas parler d'amitié, parce qu'il n'y avait presque pas d'amitié dans un camp comme Auschwitz, c'était logique. On était beaucoup trop occupés avec nous-mêmes pour pouvoir vraiment être amis. La deuxième ou troisième fois, il m'a dit qu'il était venu avec une femme, avec une fille. Il ne sait pas où elles sont. Nous, on savait déjà où elles sont parce qu'une fille n'avait aucune chance, une petite fille n'avait aucune chance de survivre à un camp comme de toute façon, on ne les faisait même pas entrer. Ça s'était gazé immédiatement. Les 2/3 des transports étaient immédiatement envoyés dans les chambres à gaz. D'abord les femmes avec les enfants et les vieillards et encore d'autres aussi, parce qu'ils n'avaient pas besoin de tellement de main-d'œuvre. Donc il gardait à peu près 1/3. Donc nous, on savait déjà où sa femme et sa fille étaient passées. Lui, il ne le savait pas encore, mais il a dû s'en douter, puisque finalement, il a compris lui aussi où il était. C'était pas facile de comprendre l'univers d'un camp, comme d'un camp d'extermination, comme Auschwitz l'était. C'était pas facile de saisir exactement où on était. Ça a pris du temps, il y a des gens qui n'ont jamais réalisé. Ils ont été finalement gazés sans avoir compris. Ils avaient été ici pendant quelques mois, ils n'avaient pas compris où ils étaient. Ils n'arrivaient pas à réaliser qu'il y avait un monde qui s'appelait camp d'extermination. Voilà ce qui reste du crématoire 2.
Dans cette immense pièce souterraine, les SS faisaient descendre et se déshabiller celles et ceux qui étaient destinés à la chambre à gaz mitoyenne. Quand ils sont là, il leur reste une poignée de minutes à vivre. Au second semestre 44, lorsque le processus d'extermination est à son paroxysme, les quatre crématoires d'Auschwitz-Birkenau absorbent jusqu'à 24 000 êtres humains par jour. Pour simplifier la disparition d'un détenu, il disait au camp, il est passé par le Keumen. Pourquoi ? Parce qu'il est gazé, le cadavre est ensuite amené dans les fours crématoires, où il est brûlé, et puis évidemment, il y a la fumée qui passe par une cheminée. Une cheminée qui, en yiddish, s'appelle donc Keumen. Alors pour simplifier toute l'explication, il disait Keumen. Cette énorme voûte en béton couvre la chambre à gaz qui pouvait contenir jusqu'à 2000 personnes. Une fois la lourde porte refermée, ils éteignaient les lumières et par des puits dans ce plafond, ils déversaient les cristaux de gaz imprégnés d'acide prussique. Ceux qui étaient jugés suffisamment valides pour servir de main-d'œuvre au Reich apprenaient vite à vivre avec l'odeur de viande brûlée qui recouvrait la région. Les dignitaires SS en visite savaient parfois s'amuser des talents des déportés. Nakash, le nageur, racontait à son ami Séverin une des exhibitions auxquelles on l'a soumis. Le général prend son poignard de parade, comme ils avaient tous, il le jette à l'eau et il dit « Cherchez !» Et Fred se met à l'eau et remonte avec le poignard entre les dents et le dépose au pied du général, aux bottes du général. Le général prend le machin, le poignard, l'essuie, le remet et s'en va en souriant. Parce que, comme je dis, tout le monde avait une certaine admiration quand même pour ce gars-là qui avait battu un record du monde. Même au cœur de l'horreur, Alfred Nakash ne peut donc oublier qu'il demeure un champion du monde et la vision quotidienne des réservoirs du camp ne pouvait pas le laisser indifférent bien longtemps. Ces réservoirs, ce sont des réservoirs en cas d'incendie. Il y en avait dans tous les camps. C'est exactement les mêmes. C'est un réservoir comme celui-ci dans lequel nous avons nagé donc à Buna. Tout dans un camp comme Auschwitz se payait par la mort. Mais comme on avait des copains aussi, les francophones justement, et d'autres, nous avons risqué un jour de le faire. Donc un dimanche, les autres étaient autour de ce réservoir et nous avons enlevé nos pyjamas, ce qui prenait une seconde à peu près. Et nous sommes effectivement, nous avons fait des longueurs, comme on appelle ça, on a fait des bassins. Et quand quelqu'un s'approchait, donc un SS ou un capot ou un danger quelconque, il nous avertissait, on sortait de l'eau et en quelques secondes on était habillés et on disparaissait dans la foule qui nous enterrait. Ils étaient très d'ailleurs, je dois dire que tout le monde nous a beaucoup admirés pour avoir osé nager. Moi-même, je n'ai pas tout à fait saisi que c'était tellement dangereux. J'étais jeune, j'avais 16 ans et puis 17 ans dans le camp. Je n'ai pas tout à fait réalisé que c'était tellement dangereux. Mais Artem a dû réaliser que c'était dangereux. Et j'ai l'impression que nous avons fait ça justement pour prouver qu'on était encore quelqu'un, qu'on n'était pas seulement un numéro, qu'allait disparaître d'ailleurs. Nos jours étaient comptés, au fond. Et pour nous prouver à nous-mêmes, c'est certainement ça qui l'a poussé à le faire. Et comme il a vu en moi un partenaire, alors il m'a invité à le faire avec lui et j'ai partagé tout ça avec lui. Et plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir, quand je suis sorti des camps, j'ai commencé à réaliser pourquoi nous l'avons fait. Et pendant les années, j'étais très fier. J'ai toujours raconté, en blaguant évidemment, j'ai nagé contre Alfred Nakash. On m'a demandé comment t'as nagé contre Alfred Nakash. Et j'ai expliqué où j'ai nagé contre ou avec Alfred Nakash. Et voilà, ça s'est passé pendant les 2 mois à peu près de juillet-août en 1944. Nous avons dû faire ça 6 ou 7 fois, donc chaque dimanche, à peu près chaque dimanche. Et puis évidemment, il faisait trop froid et puis en janvier, c'était l'évacuation du camp, en janvier 45. Le 17 janvier 45, les SS détruisent les chambres à gaz et les crématoires de Birkenau à grand renfort de dynamite.
puis ils rassemblent les quelques 67 000 survivants et les forment en convoi. À pied, au cœur de l'hiver, ceux-ci doivent rejoindre l'Allemagne. Les alliés progressent et le Grand Reich aux abois a plus que jamais besoin de main d'œuvre dans ses usines. Et Buchenwald est à plus de 700 km. Nous avons décidé de rester ensemble. Le groupe de francophones auquel j'appartenais avec Nakash, nous avons décidé de faire cette marche ensemble afin de pouvoir nous entraider si besoin était. Nous avons commencé cette marche qui est entrée dans l'histoire sous le nom très approprié d'ailleurs de la marche de la mort, puisque finalement il n'y a qu'à peu près 20 000 qui sont arrivés quelque part dans un camp quelconque en Allemagne, tous les autres sont restés sur les routes, descendus par les Allemands ou morts d'épuisement, descendus parce qu'ils ne pouvaient pas marcher au rythme que les Allemands imposaient, parce qu'eux fuyaient les armées soviétiques qui contre-attaquaient. À l'aube du 21 janvier, une partie de ce transport est allée à la gare de Gleiwitz, où il y avait des trains. Une autre partie a continué à pied. Il y en a qui ont fait 4 et 5 semaines de marche à pied. Nous étions dans un wagon et c'est là que j'ai vu Nakash pour la dernière fois. Donc à Gleiwitz le 21 janvier 1945. Je ne savais pas où il était parti. Après, j'ai entendu, évidemment, j'ai appris qu'il était allé à Buchenwald, alors que moi, j'ai été emmené à Dora-Nordhausen. Cette étrange caricature de Nakash pagayant dans une marmite de soupe a été exécutée à Auschwitz par Willy Holt, qui était affecté à un commando de peintres en lettres. S'il est devenu par la suite un des plus célèbres décorateurs du cinéma français, Willy n'a pas oublié la marche de la mort et le soutien que lui apporta Alfred. Il m'avait récupéré dans le wagon de l'infirmerie. Et au lieu d'être 100 par wagon, on était 30. Et ça nous a permis, avec le culot qu'avait Nakash et moi-même, d'organiser un poêle, d'organiser de faire du chauffage et d'organiser même de la nourriture à certains moments et de faire un voyage à peu près correct. Et si je suis là à l'heure actuelle, c'est un peu parce que j'ai eu de la chance pour le boulot et tout ça, mais aussi parce que j'ai rencontré des gens comme Nakash, beaucoup de toubibs français qui étaient fantastiques assis là-bas. Et Alfred est un personnage qui m'a, moi personnellement, conforté dans l'idée que le monde n'est pas si mauvais que je paraissais. Il y avait des gens extraordinaires qui valaient la peine d'être vécus. L'exemple le plus beau qui m'a, un peu après que j'ai connu, que je suis devenu un peu ami avec lui, ce qui m'a stupéfait et qui m'a, je ne peux pas dire retourné complètement, c'est le jour où il a reçu exceptionnellement, parce qu'il était connu mondialement, un petit cadeau de la Croix-Rouge, qui était un petit colis tout petit, et qu'il l'a partagé en quatre. Il a gardé la plus petite part pour lui, je suis sûr. Et ça, c'est fantastique. Quand on connaît le dénuement dans lequel on se trouvait, et que voilà, partager ce qu'on vous donne en quatre, c'est fabuleux. On est arrivé à Buchenwald, où Nakash a été immédiatement récupéré, parce que vous savez, le tam-tam là-bas, ça marche très vite. Et il avait été. Alors, il y avait Fouché Créteau qui était là-bas, qui l'a fait sortir de la quarantaine. Et moi, je suis resté en quarantaine. Et c'est là que j'ai perdu contact avec Nakash. Buchenwald n'est pas un camp d'extermination, mais un camp de concentration. La différence est fondamentale et Nakash s'en rend compte immédiatement. Dès son arrivée, il retrouve un camarade de sa première vie, Roger Fouché-Créteau, le frère d'André, un grand nageur. Les réseaux très organisés du camp le font affecter dans le même baraquement et le lendemain même, il témoigne dans le livre de bord clandestin que tenait Fouché-Créteau. Miracle, miracle, je retrouve à Buchenwald ce cher vieux Roger et ce après de multiples péripéties au cours d'un voyage d'évacuation de Buna-Monowitz, Haute-Silésie, jusque dans les enceintes de notre nouvelle demeure. C'est la première fois que je prends la plume depuis 15 mois de détention. Que d'embûches furent dressées sur notre chemin. Notre convoi parti de France le 20 janvier compte peu de rescapés. Sur 1200, je n'en connais qu'une cinquantaine. Ma femme et ma fille qui avaient quitté Drancy et la France en même temps que moi sont peut-être encore quelque part. Que Dieu fasse que nous nous retrouvions un jour. Mais un jour viendra, Inch'Allah. Les souffrances, les tortures... Les cendres des crématoires appellent la justice et une vengeance inexorable s'abattra alors sur les barbares. Il nous reste encore de durs moments à passer, mais c'est plein de résolution que nous aborderons le nouveau chemin que se sera tracé l'humanité nouvelle. Alfred Nakash, Buchenwald, 26 janvier 1945. À la fin de la guerre, on nous a dit qu'il était mort. Et à la fin de la guerre, j'étais journaliste, enfin pas après la guerre, si vous voulez,
Au début, j'étais journaliste et mon journal m'a demandé d'écrire un article nécrologique sur Alfred, chose que j'ai faite. Et puis, à 15 jours de là, on a appris qu'il rentrait. Alors, je suis allée à la gare l'attendre avec mon article pour qu'il ne l'apprenne pas de quelqu'un d'autre. Le camp de Buchenwald est libéré le 11 avril 1945. Alfred reste quelques jours en Allemagne pour tenter d'avoir des nouvelles de sa femme et de sa fille avant d'être rapatrié à Paris. Raymond Mullin-Gauzène, qui était le plongeur numéro un de l'époque, et Roger Le Morvan me l'ont rappelé. Ils sont allés le voir quand il est revenu de Buchenwald en 1945. En avril ou mai, je ne me rappelle plus, en 1945. Ils sont allés le voir, comme d'autres sans doute, à l'hôpital. Et c'était on disait à l'époque, un cadavre, un cadavre. Et alors j'ai dit, mais enfin, se plaignait-il? Je leur ai demandé, non, il faisait déjà des projets pour revenir au haut niveau en natation. Il arrive, il pèse la moitié de son poids, je crois 42 kilos, dit-il, dans ce qu'il nous a raconté. Et puis, au lieu de prendre de la graisse et de manger, il recommence à nager. Mainville, son entraîneur, lui dit, il faut que tu nages. Et si en nageant, il se rebecte, je crois qu'il vit chez les Jani à l'époque. Et la bonne cuisine des Jani fait le reste. Et c'est reparti pour Nakache. Avec en prime la rage au cœur, le désir de reprendre pied dans sa vie. Désormais confronté à la plus extrême des solitudes, cet homme qui aimait tant sa famille exorcise alors sa douleur en nageant plus que jamais. Il pratique les longueurs de bassin comme d'autres une thérapie. Il ne parle pratiquement pas des horreurs qu'il a traversées, sans doute comme d'autres, pense-t-il qu'on ne le croirait pas. Si le sourire du vainqueur est toujours là, il est désormais teinté d'une tristesse que ses amis s'efforcent d'atténuer. Mes parents l'ont pris pour un second fils. Nous habitions la piscine, et vous connaissez la piscine de Toulouse. Il y a une petite maison à droite, et cette maison, c'était la maison du paradis. Les gens s'arrêtaient, et tous les nageurs s'arrêtaient là, et Alfred en particulier. Quatre mois après, il est champion de France de plusieurs épreuves, 200 mètres brasse et les relais. Ça, c'est ce qu'on appelle un comeback. Hein. En dépit de ses 31 ans, presque un vieillard pour ses camarades du TOEC, Georges Valeret et Alex Jani, Alfred continue de tenter d'effacer ces années qu'on lui a volées. Il collectionne les bassins olympiques comme pour oublier les sombres réservoirs d'Auschwitz. Sa brasse est toujours implacable et de nouveau les gradins s'enflamment au fil des records qui tombent. Nous étions à Toulouse, le meilleur club mondial. Et nous avons commencé avec Alfred à battre les records du monde du relais 3x100, 3 nages. Ce qui veut dire dos, brasse et crawl. Au départ, Georges Valeret, Alfred Nakache, Alex Jani. On en est trois, à vos places. Et c'est de nouveau la suprême excitation des tentatives de record du monde. Suspendre le temps, battre le chronomètre, engranger les millièmes de seconde qui font la différence. Alfred ne les tente plus en solitaire, il préfère désormais le relais où chacun compte sur l'autre, où si l'un faiblit, tous perdent. Il a payé cher pour connaître dans les pires moments la valeur de la solidarité, et il est bien décidé à en faire profiter la famille qui lui reste, les dauphins du TOEC. À quoi pense-t-il Nakache pendant qu'Alex Jani, à son tour, fouette l'eau avec toute la fougue de ses 17 ans? À rien d'autre qu'au record qui doit tomber, certainement. Et c'est peut-être bien pour ça qu'il est là, pour ne penser à rien d'autre. Et ça marche. Irrésistiblement, tous trois grignotent les secondes qui défilent, remontent le temps et établissent de nouveaux titres. Y a-t-il meilleure façon pour un sportif de laisser de nouveau sa trace dans l'histoire? Avec l'équipe de France de natation, Alfred participera aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, 12 ans après ceux de Berlin. Il a fallu quand même qu'Alfred soit fort pour se rétablir de tout ce qu'il avait passé et de revenir en forme pour être après recordman du monde dans les relais. Mais c'était un athlète, un professeur de gym. Donc il était saignant, il était volontaire, il était gentil, il était plein d'humour. Enfin, un grand champion, mais tout simple. Le soir de mes premiers championnats de France,
En 1946, ma famille était à Casablanca et c'est lui qui a beaucoup insisté pour qu'on appelle ma mère, pour que je lui dise que j'avais donc gagné. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que peut signifier un coup de téléphone en 1946 à Casablanca. Il a fallu qu'on retarde la fermeture du bistrot, puisqu'il a fallu attendre 2-3 heures. Et c'est lui qui m'a dit, mais s'il y a une personne que tu ne dois pas oublier là, en l'occurrence, c'est ta mère. Et c'est longtemps après que j'ai pensé qu'effectivement, pour lui, ça devait signifier quelque chose. Il avait perdu lui-même sa fille, et sa fille avait perdu sa mère. Enfin bon, c'était quelqu'un qui avait un sens de la famille très important, et bon, je ne veux pas pleurer maintenant, mais enfin c'est un souvenir extrêmement émouvant. Les jours où il avait vraiment du chagrin, où il se mettait là et il ne bougeait plus. Voilà. Il devait penser, je ne sais pas quoi. Et puis, un jour, alors comme je sortais du travail, je rentrais directement à la maison. J'ai vu qu'il n'était pas bien. Il était tout pâle. Je dis à Fred, qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose qui ne va pas? Vous êtes fatigué? Non. Il m'a dit non. Et qu'est-ce qu'il y a? Dites-le-moi. Prosper n'est pas là. Alors, il a tiré un papier. Il m'a dit, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. La preuve. Alors, Annie, puisque c'était sa fille, votre fille, je vous annonce que votre fille a été exterminée dès son arrivée au camp. Voilà. Alors ça, il était effondré. Quant à sa femme, il n'a jamais eu de nouvelles de sa femme. Jamais. Alors ça m'est resté. Bon. Vers 1946, il était venu rendre visite à mes parents à Constantine. Et nous avions donc le repas du Shabbat, du vendredi soir. Nous étions tous à table. Et à un certain moment, Fred s'était levé. Et il s'était éclipsé pour aller à la fenêtre, pour s'isoler. Et bien sûr, le repas avait été interrompu. Tout le monde se regardait pour savoir ce qui se passait. Et moi, à l'époque, j'avais 8 ou 9 ans. Et on m'avait demandé d'aller voir ce qui se passait. Et le souvenir que j'en ai, c'est que j'avais vu Fred qui était penché, si vous voulez, accoudé sur le au bord de la fenêtre, et qui pleurait. Voilà, ça c'est mon... Si vous voulez, ça m'avait profondément marqué. Et puis, c'était un moment qui l'avait énormément sensibilisé. Et puis, quelques instants après, il avait regagné la table. Si vous voulez, ce premier contact, je l'avais trouvé profondément triste, alors que pour moi, il représentait... c'était l'idole. Il n'en parlait pas beaucoup, Fred. Il en a parlé très, très peu de tout ce qui était passé dans les camps. Il n'aimait pas en parler. Quand il en parlait, quelquefois, c'était par dérision, comme ça, pour évoquer un truc assez drôle. Enfin, si on pouvait... Si ça arrivait quelquefois, peut-être... Mais il n'aimait pas parler des camps. Plus que les titres et les records, c'est certainement la rencontre avec Marie qui va rendre Alfred à la vie. Il l'épouse en 1950 et retrouve progressivement le grand sourire et l'énergie joyeuse qu'il avait un temps abandonnée. Au début, quand je le connaissais, je le voyais, il plongeait de l'autre côté de la Garonne, il traversait la Garonne pour venir me retrouver. Dans ce petit restaurant, un petit guinguette. Il venait, et alors puis au bout d'un moment, il me dit, il faut que je m'en aille, parce qu'à l'entraîneur, je me demandais où je suis passé. Il repartait, il retraversait la Garonne, et il allait à l'entraînement, où ma ville devait le chercher partout. Il rejoignait la piscine qui porte son nom depuis 1944, lorsque sa mort en déportation avait été annoncée à Toulouse. Avec le goût du bonheur est revenu celui de l'amitié. Alfred a découvert Cerbère, dernière petite ville méditerranéenne avant l'Espagne, et toute une bande d'amis qui vivent comme lui, largement dans l'eau. Voilà. À Cerbère, ici, il baignait dans son élément. Il était connaissait plus... tout le monde. Voilà. La plage, les gosses, l'été,
Il nageait, il allait, il venait. On allait manger à Portbou le soir. Et grâce à Monsieur Castex, on prenait l'Amistad, son bateau, et cap sur la... l'Arche de Noé, comme on disait à l'époque. Et on partait sur Yantza. Yantza étant un petit port, un petit peu plus loin. Et à Yantza, bon, on mangeait le souquet. On mangeait chez Nard. Chez Nard. Et puis on revenait tant bien que mal, parce qu'il y en avait toujours un ou deux qui avaient chargé. Alors avec Alfred, disons que comme moi je ne bois pas beaucoup, et lui, n'en parlons pas, non, Alfred, on essayait de pas. Ramener l'Amistad à bon port. Vrai ou pas vrai? Oui, oui. Bon. Il était très fidèle à ses amitiés, c'était pour lui. Il fallait surtout pas le priver de ses amis, parce que Fred, ce n'était pas possible. Ses amis, ça avait une importance énorme. Un soir, après la fermeture des cafés, nous étions notre groupe. Au bord de la route, nous prenions une dernière boisson. Passe une voiture allemande qui s'arrête, elle était en panne d'essence. Une famille d'Allemands. Alors Alfred s'est levé, est allé sonner aux portes. Au bout de demi-heure, il revient avec un jerrycan d'essence à 1h du matin. Et ils ont pu reprendre la route. Avant de reprendre la route, l'Allemand, fort poliment d'ailleurs, nous a remerciés à tous. Et alors Alfred a retroussé sa manche. Il lui a montré... Le matricule. Le oui. Matricule gravé dans son... Sur dans son bras. Sur son bras. Oui. Il l'a fait. Tu étais l'autre devenu, oui. Blême. Blême. Il savait ce que cela signifiait. Et il lui a serré la main, Alfred. Et ça vous ramène... Ça, c'est grâce. Ça vous ramène à ce que disait Philippe Brunel dans son article de l'Équipe. Il avait tout pardonné. Entre Nakache et Toulouse, l'histoire d'amour dure depuis 30 ans, quand Alfred donne un coup de couteau dans le contrat. Il faut dire que son frère William lui a fait découvrir l'océan Indien, où l'on peut se baigner toute l'année. Il avait été nommé comme professeur d'éducation physique au centre universitaire de Saint-Denis à La Réunion, et où nous avons passé 4 années paradisiaques. Quand nous allions quelque part et qu'il y avait des enfants, immédiatement, je lui disais, tu es comme un pot de miel, comment ça se fait? Tous les gosses affluaient vers lui, je ne sais pas quoi. Il avait un don. Il attirait les enfants. Il faut dire qu'il les aimait tellement que les enfants doivent le sentir, je ne sais pas. Et là, il avait créé le club, la section natation de Saint-Paul, justement en s'appuyant sur tous ces enfants auxquels il avait appris à nager. Et qui étaient devenus de jeunes nageurs, et parmi lesquels on a retrouvé de très bons nageurs. Et ce club était devenu un des meilleurs clubs de natation, au point que dans les années suivantes, la SEC avait été classée première ex aequo avec les dauphins du Touareg. Quand je pense à Alfred Nakache, je pense à Charlie Chaplin, car il marchait comme Charlie Chaplin. Et à Henri Salvador, il avait le rire d'Henri Salvador. Et c'était... Bon, on n'avait pas besoin de le pousser. C'est curieux. Il est mort depuis longtemps et on en garde le souvenir comme s'il était toujours parmi nous. C'est curieux, ça, c'est rare. C'est rare qu'on se souvienne comme ça. C'était quelqu'un qui était très, très, très prenant. Alfred Nakache est mort le 4 août 1983 à l'âge de 68 ans, victime d'une crise cardiaque alors qu'il se baignait dans le port de Cerbère. Sa vie aurait pu n'être que celle d'un champion d'exception,
si elle n'avait pas croisé la folie criminelle des hommes. Nous n'avons pu retrouver que cette photo de Paul, et pas une seule d'Annie. D'une certaine façon, ce film leur est dédié. Entre 1934 et 1952, Alfred Nakache remporta 15 titres de champion de France, 9 records de France, 3 records d'Europe et un record du monde en nage libre et en brasse papillon. Son temps de 1,09,4 au 100 mètres demeura 12 ans record de France et 7 ans record d'Europe. Son temps de 2,36,08 sur 200 mètres resta 9 ans record de France, 9 ans record d'Europe et 6 ans record du monde.